Est-ce que ça vous dit, les gars, une petite carioca avec Eden Atwood? Allez, on va faire une petite danse. Allez, allez, allez. Là, c'est encore majestueux. Ça, quand t'écoutes le Metallica avant, et là, tu reviens sur le jazz. Ah ouais, c'est. Tu vois la différence déjà. Tu vois la différence. Tu sais que ces enceintes-là, c'est. C'est des enceintes audiophiles. C'est pas. C'est tout. C'est tout, c'est ça. C'est pas autrement. Désolé de couper comme ça, mais j'avais pas le truc de volume là.
Tu vois là, la carioca, purée que ça fait du bien, c'est trop bon parce que tu sens tous les instruments, tout est bien. Chaque instrument est bien à sa place, comme diraient les audiophiles. Ah les gars, non mais c'est vrai que là, t'as une belle scène en fait. T'arrives à t'imaginer où se placent tous les musiciens, tout ça. Après, même dans l'espace, t'arrives à te créer une scène en fait. C'est ça, après, c'est ton imagination qui prend le dessus, à te mettre vraiment dans. Comme si tu étais dans le concert, quoi. Enfin voilà, donc c'est hyper, hyper bon à l'écoute. D'ailleurs, tu sais, en enceinte audiophile, j'ai aussi les Dyn Audio. Celle-ci là, les Dyn Audio, je les considère comme audiophiles, celle-là. Les Dyn Audio Audience 82, ce sont pour moi des enceintes audiophiles. Voilà, après, pareil, c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme de l'époque. Hein. Là, t'as les Werfeda Diamond 250. Qui sont des enceintes anglaises qui sont très douces, mais attention, attention, elles sont très douces et elles se révèlent être hyper agréables à l'écoute, vraiment. Et par contre, là, sur tout style de musique, tu vois. Donc, ça sera forcément moins détaillé qu'avec des clips ou quoi, mais l'écoute, elle est vraiment. Elle est topissime, vraiment topissime. Bon, après là-bas, t'as la grosse dondon, hein, celle-ci. Pareil, c'est du haut de gamme. Haut de gamme allemand, mais tu vois, avec une sonorité vraiment différente. Différente. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Là, tu as les JBL HP 580. Et d'ailleurs, faut que je vous fasse une petite vidéo, les gars, pour voir un petit peu les différentes façons de conception. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Voilà, les amis. Bon, bah, allez, je crois qu'on va se laisser, parce que là, il est bientôt 18h. Ça fait un moment, tu vois, que je fais les vidéos. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup, mais voilà, ça suffit à te prendre une bonne partie de l'après-midi. Surtout que maintenant, on a du beau temps. Tiens, tout à l'heure, il faisait temps grisâtre et tout. Ça, c'est un temps à aller faire des photos avec les enceintes dehors. Bon, bah, allez, les gars, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Quoique, je vais peut-être, à mon avis, faire une petite vidéo encore. Allez, hop, hop, chut, chut, on dit rien.